Le PMSD, c'est celle partie qui, de tout temps, définit consistant de sa position concernant toutes les formes électorales. Donc, il fait tout le temps dire, toute réforme électorale, il besoin d'une réforme globale, il besoin d'une réforme totale. Parce que l'injustice que le système électoral actuel a mené n'est pas juste dans le système voté, qu'on appelle le first past the first, mais il aussi découle des façons qui urbanent circonscription fin être fait. On appelle ça une délimitation urbaine circonscription. Donc, on gagne des issues différentes qui peuvent être traitées différemment. Une réforme électorale, façon de voter, mais une circonscription que ban dimoun rester. Donc, les mots qui le PMSD met le point sur les i, surtout concernant réforme électorale. Nous n'avons pas d'accord avec la façon de faire du gouvernement. Ça, quatre pages qui sont proposées comme réforme électorale n'est pas un élément acceptable pour la population. La population n'a pas d'accord avec l'augmentation du nombre de députés parce qu'il dit déjà que pèse lourd dans la balance ou pour gagner. Bandimoun, qui déjà dans le Parlement, qui n'a pas fait ce travail correctement, à ce qu'on augmente le nombre de députés, le PMSD n'a pas d'accord, mais aussi dans la façon qu'il peut éliminer le best loser système. Je vous rappelle, en 2014, c'est dans des blocs politiques. Votre travailliste avec un MMM, Steven propose une réforme électorale pour un deuxième système présidentiel à l'électorat, deuxième république de Tchapelli, et où tu gagnes l'Alliance des peuples. Le PMSD qui fait une partie, qui dit le manifeste électoral, promesse à la nation, best loser système sera maintenu. Ou aller, ou aller get manifeste électoral, vous pouvez mettre la dent noir sur blanc, le best loser système sera maintenu. Donc, le gouvernement actuel, il est dans même un mandat populaire pour capable de venir même tous le best loser système. Dans la pure tradition d'une démocratie vivante, on n'a pas capable. Ou bien enlever les peuples. Ou bien avoir un mandat populaire avec les peuples. Est-ce qu'il est d'accord à ce terme, nous tirer baisse sur ce système? Au contraire, qui gouvernement peut refaire? Il peut tirer un système qui garantit un droit constitutionnel, une composante de la nation mauricienne, qui est ancrée dans la Constitution, ou peut tirer, ou bien mettre sa décision-là dans l'armée d'un leader. Ça veut dire qu'on peut retourner dans l'époque colon. À l'époque, c'est gouverneur qui tu peux décider, qui s'en a pour nommer, pour créer une balance dans le monde. Donc, encore une fois, c'est une pratique rétrograde qui nous condamne. Et de toute façon, le PMSD n'a pas d'accord du tout. Seul contre tous, le PMSD n'est pas un parti qui nous fait la politique par l'hypocrisie. Il n'a pas voile la face pour dire où. Qui le système d'élection à Maurice, lui appelle ça qu'il appelle un community-based electoral system. Et ce n'est pas un hasard qu'après 50 ans, nous tout assisés, nous pouvons respirer la démocratie dans le pays. Parce que c'est un système qui finalement aussi. Donc le PMSD nous peut dire, bien faire bien attention. Un politicien n'a pas capable d'un coup de plume, d'une sens destiné à un pays. Comme une composante de la société mauricienne, je te sens, je te sécurisé par un système qui amène une dose de représentativité à une communauté qui sent, je te sous-représentée dans le monde.